Bonjour à tous et bienvenue sur CBET. Problème de l'avant 16.15. Si Georges a obtenu 16,8 de moyenne avec 5 matières, combien doit-il obtenir dans la 6ème matière pour avoir une moyenne de 17? Vous pouvez mettre pause la vidéo pour résoudre le problème. On va noter x bar la moyenne dans les 5 premières matière. Donc on note x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Donc ça c'est les notes obtenues dans les 5 matières sur 5. Donc ça c'est la formule de la moyenne. C'est égal à 16,8. Donc finalement, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, on note somme de i égale à 1 à 5 dxi. Ça va être égal à 5 fois 16,8, ce qui est égal à 84. Notons x bar prime, donc x bar prime, c'est la moyenne des 6 notes, donc obtenues dans les 6 matières. x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 sur 6, ça doit être égal à 17. Donc, ça veut dire qu'on a une équation avec une inconnue, donc ça va être x6, à résoudre. On sait que x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5, ça va être 84. Donc, 84 plus x6 égale à 17 fois 6. 17 fois 6, c'est 102. 84 plus x6. x6, ça va être égal à 102 moins 84 égale à 18. Donc, Georges doit avoir une note de 18 pour avoir une moyenne de 17. Voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.